Et bonjour à tous. Petite vidéo supplémentaire parce que depuis hier je suis en formation, ou une petite formation de 3 jours. Donc ouais, tous les jours je prends la moto, je roule. Alors juste je me rappelle qu'à un moment donné un abonné m'avait demandé si ma moto penchait beaucoup parce qu'il trouvait que la sienne penchait beaucoup. Ben voilà, une vidéo en direct, la Shadow. Poser sur sa béquille ce que ça donne en inclinaison. Voilà, je me rappelle plus son pseudo qui c'était. Voilà, j'espère qu'il se reconnaîtra et qu'il m'excuse de ne pas avoir fait ça plus tôt. Je vais complètement zapper. Donc ouais, petite formation. Environ demi-heure d'ici, donc j'y vais en moto, c'est assez agréable. Faire attention au frais parce que le matin il fait frais. L'autre jour, j'ai un abonné qui me disait il se reconnaîtra, parce que c'était il y a une ou deux vidéos en arrière, hein, que sa Shadow elle se traînait, que le mécano lui avait dit que c'était normal, que, comme par hasard son père au mécano, parce que j'ai compris, en a une et puis il se traînait pareil, que sur le plat il avait du mal à atteindre le 110, mais que le mécano lui avait dit 90 ans c'est normal pour une moto comme ça. Alors voilà, on est sur le plat, je suis à 110, très facilement, 115, alors non, lui en fait il est arrivé à 110 en pente, voilà, il y a une légère pente. Hop. Ah, je dépasse légèrement le 120 au compteur. Enfin, tout ça pour dire que son mécano s'est un tout petit peu foutu de sa gueule. Comme je disais, pour moi, sa moto elle a un petit souci de réglage. Alors, il prétendait que son mécano lui a dit qu'il avait remplacé tout, qu'il avait fait les réglages. Mais si c'est vrai, si c'est bien nettoyé, parce qu'il a peut-être bien pu avoir fait n'importe quoi, le mec. Hein. Si son mécano a bien fait le nettoyage, il y a un problème de réglage. Et moi, je serais lui, j'irai voir un autre mécano, parce qu'avec les propos qu'il tient, c'est n'importe quoi. N'importe quel 125, 4 temps, un custom, il se prend le 100 sur à plat, mais tranquille. La Shadow, elle est donnée pour 110, 120 à plat. Et là, j'y étais, à 110, sans problème, 110, 115. Voilà, c'est... Bon après c'est des vitesses, tu y vas en insistant comme un taré, mais c'est pas des vitesses exploitables. Mais là regarde, je suis à 90 ans, je suis vraiment en bas de 5e. Je me méfie de lui, c'est bon. Ok. Donc pour moi, comme je l'ai dit, un petit souci de synchronisation au niveau des carburateurs, ça pourrait largement expliquer que le moteur ait été nettoyé, enfin que le carburateur ait été nettoyé mais qu'il ne prenne pas les tours. Après, il me parlait aussi d'un problème de prise de tour en seconde, en troisième. Ouais, ça ressemble beaucoup à un mauvais réglage au niveau du carbu. Ou une prise d'air quelque part, ou enfin, toujours est-il qu'il n'y a pas un bon réglage. Des ménageurs bretons, il aurait mis son clignot, je serais passé. Ouh, il faut que je nettoie ma visière, moi. Elle est pourrie. Je vois pas grand chose.
soleil en face, je vois pas du tout la route. Ah, ça y est. Ces gestes de passer. Merci. C'est trop gentil. Trop aimable. Je connaissais pas cette route, franchement, elle est sympathique. Il y a la mer là-bas. Ça roule tout seul. Alors vous voyez peut-être pas là, mais là j'ai un petit sourire. Je me régale. Je la connaissais pas cette route, franchement elle est géniale. La surface est propre, bon, elle est pas très large, mais bon, il n'y a pas beaucoup de roulage. Faut être prudent quand même. Les virages sont super agréables. Ah, franchement je me régale là. Ah, je regrette pas d'être passé par ici aujourd'hui. Non, c'est déjà fini. Oh fou. Ben, je reprendrai au retour. Ouais, franchement, c'était trop agréable. Ah, si, c'est là-bas. Bah, dis donc.